Jovenel participer même Jean avec barbecue, même Jean avec Genève dans massacre population la Saline. Jovenel Moïse participer dans massacre Belin, dans massacre Cité Soleil. Je m'appelle là, c'est quelques déclarations piment boucre qui mettent André Michel lui-même l'a fait sous président République là, Jovenel Moïse, et faire qu'on est sur tous les points, par tous les moyens, secteur démocratique là, pas jamais entré dans la négociation avec président Jovenel Moïse. Mette Michel fait qu'on est que Mette Mécène Jean-Louis, yon reconnaît lui en tant que président pays d'Haïti. Alors, si comité international a besoin d'entrer en négociation, que yo joigne avec Mette Mécène Jean-Louis, mais yo pas gain pour yo chita parler avec président Jovenel Moïse, parce que yo même dans secteur démocratique là, yo pas connaît président Jovenel Moïse en tant que président PIA. Bernard Michel accusé président tout sous massacre qui fait Belay, sous massacre qui fait La Saline, et comparé président Jovenel Moïse avec barbecue, avec tout bandit qui a ferraillé sous territoire national là. C'est comme ça, Bernard Michel lui-même lui pas caché péché, lui a accusé président de yon paquet de bagaille qui a passé en dans pays d'Haïti. Alors nous connaissons Bernard Michel, c'est un monde de pourtant de le prendre micro la presse, lui a fait des déclarations. Piment bouc, alors c'est comme ça lui-même li tenant micro la presse pour voyer yon message de mobilisation by peuple haïtien, yon façon pour yon faire connait que yon même pour moi mais ça yon pap chita gade pour moi mais ça yon même yon lance yon normalement nan bataille pour yon chavirer pouvoir en place là. Nous pas laisse regarder comment ça teye nan micro la presse, comment met André Michel lui-même li tap voyer yon message by peuple haïtien, il te profite tout pour la accuser président Jovenel Moïse. Avant même que nous laissons visualiser vidéo ça, qui te prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier, ou même qui a regardé vidéo ça, ou même qui déjà abonné avec la chaîne là, ou même qui peut le partager, et sans oublier, ou même qui peut le quitter un commentaire, ou même qui déjà abonné avec la chaîne là, n'a remercié, et ou même qui a regardé vidéo ça, qui peut-être beaucoup abonné avec la chaîne là, n'a invité à abonner avec la chaîne là pour nous capable à grandir communauté. On garde comment mettre André Michel lui-même lui t'a fait des déclarations piment bouc sous président Jovenel Moïse, et puis après n'a tourné pour plus commentaires. Maintenant, je dis à ce moment pour nous rappeler position secteur démocratique et populaire, parce que nous avons parlé de négociation avec Jovenel, c'est le moment de rappeler la position de principe du secteur démocratique et populaire. Position principe secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas négocier avec aucun assassin. Jovenel, participer, même gens avec barbecue, même gens avec Genève, dans le massacre de la population de la Saline. Jovenel Moïse, participer dans le massacre Belin, dans le massacre Cité Soleil. Ça veut dire, ou pas joindre le secteur démocratique là, son table de négociation avec Jovenel Moïse. Par rapport à ce pouvoir, notre position est claire, nous sommes dans le ni-ni. Ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas là-dedans. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Et m'a rappelé tout le monde, attention. 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est dans l'opposition, nous te mettez ensemble et nous te choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la cour de cassation, pour diriger la transition. Nous ne pouvons pas oublier ça. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a oublié ça. On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans. Il y a maturité, il y a famille, nous prenons, nous engager pour le président provisoire de transition. Hein? Nous pas capables d'oublier, nous te choisir. Nous pas accepter coup de couteau dans le dos. Nous pas accepter de poignarder Joseph Fessenjan. C'est une question de morale politique. Aujourd'hui, si on a besoin de parler de négociation, alors Fessenjan lui, c'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Communauté internationale besoin de parler de négociation, elle parler
avec Joseph Messène Jean-Léon. Al Palavel, parti politique besoin négocier. Parler Al Pala Joseph Messène Jean-Louis. Et société civile besoin négocier, besoin parler Al Pala avec Joseph Messène Jean-Louis. N'a négocié avec elle, l'a dit nous mais qui n'est le premier ministre, mais qui femme l'a mettre Al Pala pour le gouvernement avec Joseph Messène Jean-Louis. Nous pas accepter. Aucun monde levant bon matin. Et puis pour d'autres, on va faire accord avec Jovenel, on va dans la cohabitation avec Jovenel. Attention, mes chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait le 7 février au soir du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Messène Jean-Louis, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Messène Jean-Louis a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue à Port-au-Prince comme dans les villes de province pour dire vive Joseph Messène Jean-Louis, président de la République. Jodia, on va pas dire, on va parler négociation et puis c'est de Jovenel qui va parler. Non, c'est avec Joseph Messène Jean-Louis pour parler. La communauté internationale parler avec Joseph Messène Jean-Louis parce que c'est lui-même, toute opposition, société civile l'a choisi pour venir diriger la transition de rupture. Ça veut pour parler. Vous n'êtes pas capable de guetter un blio de choisir. Parti politique, yo, écoutez, je vous rappelle à l'ordre. Nous avons choisi, dans la concertation, le juge Joseph Messène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Je dis à nous pas capable de parler l'autre parole et puis nous oublions de choisir Joseph Messène Jean-Louis. Tout ça doit parler aujourd'hui, c'est avec Joseph Messène Jean-Louis pour le parler. Faut parler avec elle, faut aller côté, faut discuter avec elle. Ou pas capable de parler de sortie de crise, si vous pas parler avec Joseph Messène Jean-Louis. Ou pas capable de parler de gouvernement, si vous pas parler avec Joseph Messène Jean-Louis. Le secteur démocratique et populaire est attaché. Le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Messène Jean-Louis comme président de la transition. Aujourd'hui, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le ni-ni par rapport à Jovenel Moïse. Ni négociation avec Jovenel Moïse, parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Et toute négociation, discussion, parler en pile, formation gouvernement, Gontorok là déjà, Yorelil Joseph Messène Jean-Louis, c'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pouvons pas aller au matin, nous ne pouvons pas oublier de choisir, monsieur. Nous convaincre, nous parler avec elle, nous dire qu'il faut l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas regarder. On ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique n'a pas marché dans un rien. Tout autant, vous ne parlez pas à Joseph Messène Jean-Louis pour discuter. Voilà notre position de principe. Et la bataille continue. Et dans pile des matchs qui fait, et pendant la parole là, le dossier est en état de recevoir jugement. Le dossier en état d'être plaidé à la cour d'appel de Port-au-Prince. Je vais aller matin avec le commissaire du gouvernement. Il va nous garantir que d'ici après-midi, mon citation qui va aller dans la prison, pour être capable de connaître ou à peine capable de mener dans la cour d'appel. C'est-à-dire que le dossier est déjà enroulé, le dossier est déjà distribué par devant la composition du lundi. Et mon citation qui a préparé qui va joindre, le dossier est en état de recevoir jugement. Et je crois que nous allons nous battre, d'accord, pour obtenir leur libération, parce que le moment est arrivé pour ça. Et féliciter tout avocat qui bataille dans le dossier ça. Je pense de façon particulière à M. Caleb Jean-Baptiste qui va arriver là, qui bataille en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je pense avec M. Stanley Lafortune. Je pense avec M. Palvin qui goumet en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je dis, non seulement nous mobiliser comme avocat, mais en tant que structure politique, le secteur démocratique est mobilisé sur cette affaire. Et moment pour nous quitter prison arrivé, et nous allons nous battre dans les jours qui viennent pour obtenir leur libération. Je nous tous connais le secteur démocratique là, et c'est organisation, population liée par bon monde liée.
dans le moment ça, nous pensons de façon particulière à ouvriers, ouvriers agricoles, ouvriers qui travaillent dans la factory particulièrement, qui touchent un salaire de misère, parce que nous connaissons le mot d'ordre des factories. C'est ouvrier quadrinaire, patron millionnaire. Nous pensons avec eux, parce que samedi c'est 1er mai, c'est pour la fête du travail, mais en Haïti, non seulement pas de travail, mais grand monde qui travaille, surtout ceux qui travaillent dans la factory, c'est pété à pété fier. Nous pensons avec eux, et c'est ça que Timothée pour parler de ça, les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les militants, population, supposé accompagner ouvriers la manifestation qui est lancée pour 1er mai, 2 mai, parce que justement, pas capable d'un pays qui construit son exploitation aussi à outrance. On n'accepte pas ça et c'est ça le sens du combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, je dis à ce moment pour nous rappeler position secteur démocratique et populaire. Parce que nous avons parlé de négociations avec Jovenel, nous avons parlé